tu n'es pas un zéro. Plus un bailleur. Y'a des gens ici dehors qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Ils aiment les voir misérés. Il est en prison, on dit qu'il a roulé. Les gars veulent plus seul, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est toi qui portes les sacs. C'est ça que les gens la veulent. Non, tu n'es pas un jinda. Péda ou péda ou sinda. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas un zéro. Je dis que tu n'es pas un zéro. Jamais. Plutôt tu dois être un héros. Sois toujours le maître de ta life, mon ami. Même si tu vis encore au ghetto. La vie a des hauts et des bas. C'est un combat, elle ne baisse pas les bras. N'accepte jamais ce statut. Gars, l'exercice est trop compliqué. C'est trop dur, je ne comprends rien. Quoi ça? Oui, c'est dur, je ne comprends rien. C'est pas dur, c'est toi qui es bête. Je te dis que l'exercice est dur, tu dis que je suis bête. Oui. Comment on peut parler de conjugaison en mathématiques? Je veux conjuguer X, je X et tu Y. Ce n'est pas la conjugaison, c'est l'expression conjuguée, peignant. Mais les conjugués dérivent pas, ça ne dérive pas du mot conjugaison. Et tu me dis qu'on ne conjugue pas, c'est compliqué, je ne comprends rien. Bon. L'expression conjuguée stipule que on prend l'élément qui est en bas, on fait monter ça en changeant le signe qui est au milieu. Et maintenant, l'élément qui reste en bas, on le fait x2 et on continue, tu calcules. Calcule. Maintenant, où est la troisième personne du singulier? Quelle troisième personne du singulier encore? Il n'y a pas de troisième personne du singulier en maths. Tu me parles de conjugaison et tu me dis qu'il n'y a pas la troisième personne du singulier. Comment ça? Ça veut dire que tu me manques les fonds. Tu es bête, tu ne connais pas comment tu as même fait buter au couvert terminal. Donc, tu me parles de conjugaison, dis que la troisième personne du singulier, ou je me dis que la troisième personne du singulier n'existe pas. Mieux par rapport au livre, le monde, elle va bien m'expliquer ça. Moi, je veux réussir la décision, je ne connais pas comment tu as fait plutôt. On va voir au livre, l'argent de la bière. On n'inscrit pas les gens avec, on boit la bière avec. Qui ça? Tu ne connais pas comment tu as fait plutôt pour voir un terminal. Alors, on voit les tomes d'art, elle va bien m'expliquer ça. Elle va tous la même chose qui t'a dit. S'il y a un soupçon de cerveau dans sa tête, on est chiant. Tu t'as prêté mon frère. Ça va mal quand on va atterrir au château là. Hey, toujours ma copine. Ouais, mon ami a posé sur le lit, mais toujours. Je suis juste en train de préparer. Olive, l'expression conjuguée en mathématiques, c'est quoi? J'ai dit, on t'a envoyé. Parce que j'étais là-bas avec Dominique, tu vois un peu. Je lui dis que montre-moi comment on calcule l'expression conjuguée. Il me dit qu'il ne connaît pas. Je ne connais pas combien il a fait pour avoir le bac. Il me dit que l'expression conjuguée. Il dit que la troisième personne du singulier. Oui, il me dit qu'il n'y a pas la troisième personne du singulier. Alors que lui me dit qu'il y a l'expression conjuguée en mathématiques. Et moi, je lui demande alors que comment on fait ça. Il ne me répond pas. Donc, je suis venu te voir comme ça. Moi, parce que toi, au moins, tu es ton 4. Tu vois, et tu vas m'aider à résoudre l'équation là, l'expression conjuguée. Donc, il faut me manquer l'expression conjuguée. Attends, je me baisse pour avoir la même taille que toi. Je suis ton professeur de maths. Tu as ma grande sœur, tu as rempli ton devoir de grande sœur. Montre-moi tout simplement. Je suis ton professeur de maths. Montre-moi comment calculer l'expression conjuguée. Va demander au professeur de maths. Je suis ton professeur de maths. Quelqu'un ne peut même pas préparer sa sortie en paix. Tu veux me casser les oreilles avec le maths, le conjugué, les faciles. Ton bac de l'année, sinon. Si Dieu ne met pas son corps, son âme, ton esprit, ses poumons. Donc, même les ailes de ses anges, il met ça sur son nom. C'est que tu seras comme 6. Je suis ton égal. Normalement, quand toi là, tu échoues, tu échoues pour deux personnes. Donc, ton échec est égal à x2. Donc, comme tu es ton 4 là, si tu échoues après l'année, si là, comme tu es ton 4 là, si tu échoues après l'année, si ça fait ton 6. Ne m'énerve pas. Ton échec est égal à x2. La prochaine fois que tu viens encore te placer devant moi, je vais te battre comme le serpent. Tu échoues pour deux personnes. Tu échoues. Qui te m'a vu? Qui te m'a vu? Tu veux quoi ça? Tu m'as demandé à la matinée d'avoir un petit frère. C'est même quoi? Ce n'est pas celui-là qui vous dit. Chèque à la oubade, à la oubade, à la oubade, y'a pas la oubade. Chèque à la oubade, à la oubade, à la oubade. To give a crown to you, baby. Drink all the wine, even if you embody. We leave the brains by no need to expose it. Keep all the bullshit out the replace the dance moves. Girls and sure to be the first. Qu'est-ce que tu fais? Mon body, tu dis. Mon corps. C'est bien. Tu as grandi. Tu aimes le système. Moi. Non. Ça
Ouais, mon combien, on dit quoi? Ouais, ouais, celui-là, et toi? Quoi, la soirée du soir, là? Hé, hey, ne doute pas, je ne peux même pas manquer ça. Hé, hey, il y aura d'abord trop de bébés là-bas. Je vais d'abord arriver comment? Chaud les problèmes. Tu vois un peu, non? Tu te rappelles la dernière fois qu'on était au marché, là, non? Ouais, puis tu attends un peu, attends d'abord. Ouais, la dernière fois qu'on était au marché, là, le cas qu'on avait baillé, là, ne doute pas, ça a repassé. J'ai mis ça là-bas sur mon cheveu, j'ai dit donc tout à l'heure, là, le soir, non? Ça va manger fort. Bon, il doit d'abord te sentir, il y a mon petit là qui me dérange. On ne voit pas ce qu'il veut, 20 peignes là-bas, ce qu'il veut. Ok, on est ensemble. Tout à l'heure, oui, le soir. Ok, after, bro. Il demande que. On fait l'expression conjuguée comment? L'expression conjuguée. Oui. Attends, tu vois sur ton cahier, il voit les 3x plus y est égal à crâne. Tu me parles d'expression conjugale alors que tu as fait la mathématique. Oui, j'étais là-bas avec Dominique. Il me demande pas de l'expression conjuguée. Il me dit que ça monte et que ça descend. Jusque-là, j'étais d'accord que ça monte et ça descend. On s'est gâté au niveau, j'ai demandé donc, et la troisième personne du singulier où? Il me dit que la troisième personne du singulier n'existe pas. Mm-hmm. Alors que je parlais de la conjugaison et des expressions conjuguées. Mm-hmm. Mais je suis parti pour Olive, elle me dit qu'elle a parti au Joker. Franchement, je suis dépassé, je dois venir. Attends, donc tu étais avec Dominique, ça l'a dépassé. Mm-hmm. Tu étais avec Olive, mm-hmm. avec ses 4 ans d'expérience, ça l'a dépassé. Maintenant tu viens me voir. Oui. Pour que moi je fasse quoi? Pour que tu m'aides, non? Je ne t'aide pas. Attends. Tu m'aides ou tu ne m'aides pas? Je ne t'aide pas. Tu viens, tu fais les mathématiques, tu me parles de conjugaison. Donc tu penses que moi, je vais réussir à débloquer les niveaux ci. Je ne t'aide pas. Va, pardon, quitte, va avec ça là-bas. Va. Tu ne m'aides pas. Je ne t'aide pas. Ok. Que tu connais d'abord? Oui, je ne connais tu pas. Tu connais? Je ne connais pas. Tu as dit que tu connais? Je ne comprends pas pourquoi je suis né dans une famille de bêtes comme ça là. Je vois comment toi tu es sage. Vous avez fini de boire vos vies dans les bières. Va avec ça là-bas. Tu es là, un enfant, il a son cahier, il fait la mathématique, il vient, il me dit que expression conjuguée. On conjugue la mathématique. Moi, les jambes, Toto comme ça. On appelle ça expression conjuguée. Comme là-bas, Toto. Deux ans en terminant, tu ne connais pas l'expression conjuguée. Tu une famille de moubou. Tu vois comment ça tu connais? Je connais plus que toi. Je connais l'expression conjuguée. Je connais au moins que ça monte et que ça descend. Je suis seulement conscient au niveau de la troisième personne du singulier. Toi, tu ne connais pas ce que ça veut dire. Continue à monter et descendre. Mon Dieu. Gars, je ne connais pas comment j'ai pu naître dans une famille de bêtes comme je suis né là. Comme tu es dans la famille, ça justifie ta bêtise. Gars, tu peux t'imaginer que l'expression conjuguée que tu m'as montré le jour là, non? Mm-hmm. Je sais pas, tu vois Olive, l'autre pingouin, il n'arrivait pas à me montrer l'expression conjuguée. Toi, moi, tu m'avais dit que ça montait, que ça descendait, mais on ne se comprenait pas sur l'aspect où tu ne voulais pas me montrer la troisième personne du singulier. Mm-hmm. Tout pour eux, c'est la bière, la boisson, les sorties, les fêtes. L'autre a fait. Mais t'inquiète, hein, je les ai fait une surprise. Quelle surprise? Hein? Quelle surprise? T'inquiète, je suis sûr que là, ils vont découvrir la surprise là dans 3, 2, Carlos, tu es fou. Tu as fait quoi? Tu es fou. Tu as fait quoi? Mes habits sont où? Quelle habits? Mes habits sont où? Mes habits font quoi dans l'eau? Je vais te dans l'habit. Tu n'as pas campé mes habits? Quelle habit? Elle n'a pas campé. Attends. Donc comme le matin tu es venu là, tu me dis que ça monte, ça descend, on multiplie, on fait ici, expression conjuguée. J'ai dit que te manque pas. Tu es parti cramper toi mes habits dans l'eau. Elle ta soeur. Hey, ferme la bouche. Tu parles. Tu as le toupet dans ma chambre. Ferme mes habits. Oh. Et tu me mets. Attends. Tu montais aujourd'hui, tu descendais. Tu voulais faire les actions conjuguées. Oui. On va te conjuguer tout à l'heure. Non. Comme on te parle, tu ne comprends pas. Tu fais ce que ta tête te dit. Répète après moi. Hein? Voilà. Je ne vais plus entrer dans la chambre de mes grands frères, prendre les habits et les tremper. Mon frère et ma soeur sont les pingouins. C'est ce qu'on t'a dit. C'est les pingouins. Comme on parle là, tu as grand, tu fais terminal comme nous, non? Comme on parle là, ta soeur parle, on dit, dis ici, tu dis ta part là, tu vas dormir ici. Comme on te parle là, tu vas dormir ici, ça va un peu te laver la tête. Et tu vois là, là, si tu le détaches, tu vois le poteau qui est là-bas devant moi. Mm-hmm. C'est là-bas que je vais t'attacher demain. Donc, comme il est là, tu le laisses, tu pars. Est-ce qu'il est même obligé d'être là? Tu peux rentrer. C'est son collègue de divergence. Donc, tu le laisses là. Ne le détache pas. Mm-hmm. Allons, tu vas dormir ici. On va t'apprendre. Ciao, Akram. L'expression conjuguée, on va continuer comme ça demain. Par détachement. On ne peut pas. Après, les deux. Qu'est-ce que c'est?